nous sommes samedi matin, il est exactement 5 heures du matin. C'est un petit peu dur pour les enfants, nous nous apprêtons à partir. Eric a eu la gentillesse de... comme il était réveillé en même temps que moi, enfin il avait prévu de se lever en même temps que moi, du coup il a eu la gentillesse d'aller me mettre de l'essence dans la voiture parce que j'avais prévu de le faire hier soir et j'ai complètement zappé. Donc il est 5h, donc je pense qu'il va arriver puisque je lui avais dit que je voulais qu'on parte à 5h. Ma surveillante. Maman, je retourne chercher la reine et une toupie pour Azan. Ok, ça marche. Et du coup, les enfants vont vite fait passer aux toilettes et ensuite on va décoller. Enfin, décoller façon de parler. Et puis bah, après, j'espère que la route se passera bien et qu'on va vite arriver parce que j'avoue que j'aime pas faire la route. Voilà. Donc voilà. J'espère que j'ai rien oublié surtout. Une trousse à la pharmacie, j'ai pris une trousse de toilette, les enfants emmènent leurs oreillers, enfin, j'ai pas pris le mien, je l'adapterai avec ce qu'il y a sur place. Là j'ai ma tablette et mon enceinte JBL pour la musique. J'ai pas d'autoradio dans ma voiture, je suis en train de me préparer une infusion. Qu'est-ce qu'il y a mon chaton? Bon, je vous laisse, je vous reprends plus tard, peut-être sur la route ou une fois arrivé. Les amis, nous sommes arrivés à destination. Ouais. Le refuge. Ouais. Ah bah ça y est, Marceau, il est réveillé. Mamie, elle est pas là, mon petit poussin. En fait, il n'y a pas la voiture, mais je pense que en fait, c'est juste mon papa qui est parti. Ou alors, elle est peut-être même juste dans le garage, en fait. Ça se trouve, mon père la rentre tout simplement dans le garage. Donc là, on est arrivé, on est garé dans l'allée, en fait, du garage. Et nous allons entrer dans la maison. On va voir qui, mon petit poussin? Mamie. Ouais, on va voir mamie. Et papy, bah évidemment. C'est mon copain. Voilà, on a quand même pris les vélos finalement. On a eu de la place parce qu'en fait on n'a qu'un seul sac. Donc c'est parfait. Pourquoi on n'a qu'un seul sac? Je vous reprends plus tard, je vous raconterai notre journée. Bon les amis, tout se passe bien en montagne. Vous n'avez pas l'odeur, mais nous on a l'odeur du barbecue qui est en train de cuire. C'est trop bon. N'est-ce pas? Et là, je suis mais trop contente. Je vais vous montrer. Ça fait des semaines, mais réellement des semaines, hein. Mais au moins ouais, 4-5 semaines au moins, que je cherche des herbes de la pampa pour décorer chez moi. Et qu'est-ce qu'il y a chez mes parents? Des herbes de la pampa. Je suis allée voir chez le fleuriste. Je suis allée, tiens, on va faire le tour du jardin. Ouais. Je suis allée voir chez le fleuriste, je suis allée voir dans les supermarchés, j'ai regardé sur internet, impossible d'en trouver. Et là, j'arrive chez mes parents et il y a des herbes de la pampa. Mais je suis juste trop contente du coup. Mon père, il m'a dit qu'en fait, eux, ils n'aiment pas du tout. Wouh! Marceau vient de tomber, on a entendu le bruit. Bon, c'est le moment des grands blessés. Marceau, en fait, est sorti en chaussons dans la pelouse. Et du coup, le bout de sa semelle a raccroché la pelouse. Et donc, il est tombé. Mais ça va, il s'est pas trop fait mal. Par contre, on a un blessé là. Oh, j'ai une mouche sur le doigt. Bah. Tiens, viens voir. Non. Tu veux pas que je te filme? Je le filme pas. En fait, Adam vient de se taper le buste dans une petite colonne de clôture. Et une colonne en ciment. Ah, il s'est en fait arraché un peu de peau là. J'arrive! Je fais le tour! C'est mon papa qui m'appelle. Bah voilà, là on se promène dans le jardin parce qu'il est quand même assez grand. Et je vais aller mettre un pansement à Adam parce que. Bah parce que. Hein. Je pense qu'avec un pansement il aurait moins mal. Cet après-midi sur la. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. On profite du soleil hein, parce que franchement, il y a du vent mais c'est super beau. Ouais. Les enfants jouent. Ça, c'est pas un bon exemple à montrer à Marceau, par exemple. Combien on parie? Ah, bah non, effectivement, il fait jamais ça. Voilà, donc tu vas le chercher. Donc,
Donc je disais, nous profitons du soleil parce qu'il fait super chaud. Là, nous avons mangé un barbecue ce midi, c'était trop bien. Et je devais sortir cet après-midi pour aller acheter une carte et envoyer en fait, enfin aller acheter des timbres, pardon, pour envoyer une carte. Finalement, j'ai pas le courage de sortir. Je ferai ça demain. D'après ma maman, le PMU est ouvert demain. De toute façon, même si si j'arrive pas à le faire là ce week-end ou plus tard, je le ferai mardi. Mais de toute façon, la carte, elle partira pas avant mardi. Donc c'est pas que la poste est fermée le samedi après-midi. Donc de toute façon, c'est foutu. Et là, en fait, pour être honnête, je pense que je vais aller dormir. Parce que ce matin, je me suis levée à 4h en sachant que je m'étais couchée à 1h30. Donc j'avoue que ma nuit a été très courte et que je ressens clairement là, après manger, un coup de barre phénoménal. Que je déteste aller me coucher la journée. Mais honnêtement, là, je me sens pas très en forme et j'ai vraiment envie de profiter. Donc j'ai besoin de me reposer. Et autrement, par rapport au vlog qui aurait dû être publié aujourd'hui, bah, pour l'instant, il n'est toujours pas en ligne. Je pense qu'il est fini de charger hein, depuis ce matin. Mais comme je n'ai pas encore eu accès à l'ordinateur et que ma maman est en train de s'en servir, je ne veux pas lui imposer. Donc j'attends qu'elle termine. Quand elle n'en aura plus besoin, je le mettrai en ligne. Voilà. Et s'il est planté, et ben, tant pis. Le prochain, ça sera mardi. Voilà. Bon, les amis. Il est quelle heure? 18h30? Ouais, j'aurais dirais. À peu près? Ouais. Alors c'est assez paradoxal, hein, on passe du barbecue à la raclette. Ce soir, on mange une raclette. Mais là, on profite du soleil, mais bien comme il faut. C'est trop bien. Ça y est, il n'y a plus rien? Non. Non? Non, il n'y a plus rien. Donc vous avez rasé la zone. On n'a rien de temps, hein, bande de gourmands. Bon alors montrez-moi la collecte. Waouh, Malinon. Personne touche à ça, c'est lui. Non, non, on a dit qu'on était. Normalement, des trucs comme ça. Si, mais ça fait 4. 1, 2, 3, 4, ça fait 4. Nous, c'était bon, ça. Bon, bah super. Nous, c'était ça. Qui c'est qui va s'en mettre plein le bidou maintenant? Nous. Nous sommes dimanche, deuxième jour pour nous. Bon, j'ai pas forcément fait de clôture hier soir parce que vu que ça sera un seul et même vlog, j'ai pas trouvé ça utile. Hier soir, on a juste fait une raclette et c'était très sympa. Ouais. Et puis après, nous avons fait un gros dodo. Là aujourd'hui, bah, ce matin, en fait, moi, je suis un petit peu sortie. J'avais besoin de remettre un petit peu d'essence et puis surtout, j'avais des lettres à poster. Un jour de Pâques, c'est logique, qui était assez urgente, donc du coup je me suis occupée de ça ce matin, mais en même temps bizarrement la petite ville à côté de chez mes parents, alors c'est vraiment une petite ville hein, mais c'était très sympa, c'est très très joli en fait, tout était ouvert quasiment, du coup bah, en fait j'y suis allée toute seule et je me suis dit si j'avais emmené les enfants avec moi, je pense que je me serais arrêtée en terrasse pour prendre un verre avec eux, ça aurait été trop sympa. Sur la place du centre-ville, c'était juste. C'est un village, enfin c'est un village, non, c'est une ville, mais c'est tout est ancien, on dirait une ville du Moyen-Âge, enfin, c'est vraiment super joli. Et du coup, bon, bah, c'était sympa, mais j'ai vécu ce moment toute seule. Voilà. Là, nous partons à Binic, c'est ça? Ouais. Nous partons à Binic. La plage. À la plage. La mer. Nous allons évidemment pas nous baigner, mais nous allons nous promener. Donc on s'arrêtera certainement bah, soit pour prendre un verre ou manger une crêpe, on ne sait pas encore, mais je pense qu'on se posera quelque part. Du coup, bah, forcément, on est très content de passer du temps avec mes parents, ça fait vraiment du bien. Ce matin. Ça s'arrête déjà demain matin, on repart après le petit déjeuner demain matin. Donc on clôturera ce vlog ce soir, puisque demain ce sera un nouveau vlog. Mais pour l'instant, on profite et on va partager ça avec vous. Je vais filmer un petit peu tout au long de l'après-midi. Voilà. Je suis là.
Ma mère a donné 5 euros à la porte, elle dit voilà, j'en ai 4 places. Bah oui, mais bon, maman elle se rend pas compte, les prix ils ont vachement augmenté. Hein. Quand on était petit, c'était moins cher que ça. Hein. Et là encore, c'est pas cher hein, 2,50. Hein, parce que la dernière fois qu'on est allé faire du manège, c'était 3 euros le tour. Hein. Bon, nous sommes arrivés à la plage de Binic. Franchement, c'est super joli. Les enfants font du ramassage de coquillages. Bon, je sais pas ce que je filme là en fait parce que je ne vois rien avec mes lunettes de soleil et le soleil, mais en tout cas franchement je suis trop contente du déplacement. C'est trop sale pour toi. Il y a des sables. Bah oui, il y a du sable. Oui. Tu viens? Du coup, à demain pour le vlog d'aujourd'hui.